Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Idées à l'endroit, l'émission de politique d'Alain Benoît. Lors de notre dernière émission, nous avions évoqué la géopolitique. Aujourd'hui, cher Alain Benoît, nous allons interroger, je crois, un clivage, le clivage droite-gauche, que certains intellectuels nous disent aujourd'hui obsolète. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous présenter nos invités ? Alors, on va d'abord parler un peu de ce thème. Effectivement, le clivage droite-gauche, lorsque l'on en parle avec les uns et les autres, la plupart des gens s'imaginent que son origine, c'est la Révolution française. Au mois d'août 1789, grand débat pour se statuer sur le droit de veto du roi. Les partisans du roi se mettent à droite, les adversaires se mettent à gauche, et on dit, voilà, c'est le début du clivage droite-gauche. Mais en réalité, c'est pas du tout comme ça que se présentent les choses, car en France, tout au moins, les termes de droite et de gauche ne font vraiment leur apparition dans le discours public que tout à fait à la fin du XIXe siècle. Les grands fondateurs du socialisme ne se sont jamais définis comme des hommes de gauche. Karl Marx lui-même ne s'est jamais présenté comme un homme de gauche. C'est seulement vers la fin du XIXe siècle que ces termes commencent à devenir courants. Mais en même temps, c'est un clivage assez intrigant. En effet, on voit bien que dans la plupart des pays, pendant des décennies, il y a une droite et une gauche, mais ce que le clivage recouvre exactement varie considérablement. Et quand on a essayé de faire des enquêtes plus subjectives, en interrogeant des gens de droite ou de gauche pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de ce clivage, comment ils définissaient leur propre famille d'appartenance, on a généralement des réponses qui sont totalement incompatibles entre elles. Ce type d'enquête a commencé dès l'entre-deux-guerres, notamment l'une de ces enquêtes menée par Emmanuel Boudlomini en 1931, était paru un livre publié sous sa direction et qui s'intitulait « Qu'appelle-t-on droite et gauche ?». Et finalement, on retrouve toujours cette même diversité. Ce qui fait que, faute de mieux, on a essayé de ramener le clivage droite-gauche à des grandes oppositions conceptuelles du type conservation, mouvement, enracinement, dynamique, liberté, égalité, optimisme, réalisme, etc. Mais on voit bien qu'il y a toujours, en réalité, de très profondes exceptions. Ce qui fait qu'en fin de compte, les spécialistes de sciences politiques, les politologues, ne parviennent jamais à trouver un terme qui permettrait d'être une sorte de dénominateur commun à toutes les droites ou à toutes les gauches. Lorsque l'on voit ensuite la façon dont les choses ont évolué, on constate en réalité qu'il n'y a pas une droite et une gauche, mais toujours des droites et des gauches. Tout le monde connaît, ou presque, le livre classique de René Raymond sur les droites françaises, avec ses trois grandes tendances, légitimistes, orléanistes et bonapartistes, classification qui a été d'ailleurs contestée, mais qui a longtemps fait autorité. Plus récemment, dans une grande histoire des gauches, Jacques Julliard a lui-même proposé une division entre gauche libérale, gauche jacobine, gauche collectiviste et gauche libertaire, qui a elle-même suscité un certain nombre de débats. Mais le fait qu'il y ait des gauches et des droites explique que tout au long de l'histoire politique récente, certaines gauches ont pu se sentir plus en accord avec certaines droites qu'avec les autres gauches, et inversement, certaines droites ont pu se sentir plus en accord avec certaines gauches qu'avec les autres droites. On voit sans cesse ce genre de rapprochement qui se fait parfois même malgré la volonté des intéressés. Je pense aux ressemblances qui n'est pas difficile de trouver aujourd'hui entre certains aspects du programme du Front National et du Front de Gauche, moins sur un certain nombre de points. À cela s'ajoute le fait que, quand on se retourne un peu sur l'histoire des idées, on s'aperçoit que certains thèmes
on voyageait en quelque sorte de droite à gauche ou inversement. Donner quelques exemples rapides, le libéralisme apparaît à gauche ou dans ce qui était la gauche à l'époque et va se trouver décalé vers la droite. Le régionalisme navigue entre droite et gauche, l'écologisme apparaît plutôt à droite et dérive ensuite vers la gauche. Et le résultat, c'est que les gens ont beaucoup plus ont de plus en plus de mal à s'y reconnaître. Tous les sondages qui ont été publiés depuis quelque temps montre que pour environ 60% des Français, ce qui est considérable, ce qui distingue fondamentalement droite et gauche devient plus ou moins indiscernable, ce qui explique évidemment la volatilité électorale sans précédent que l'on constate aujourd'hui. Dans les causes de cet effacement progressif des frontières supposées séparées droite et gauche, il y a, je crois, plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est l'extraordinaire recentrage des programmes des grands partis de gouvernement, qui finalement diffèrent plus sur les moyens de parvenir à certaines fins que sur les fins elles-mêmes. D'où il a résulté, là aussi, que on ne voit plus très bien ce qui les distingue. Le ralliement massif de la gauche gouvernementale à l'économie de marché à partir de 1983, la transformation du Parti communiste en un parti social-démocrate et du Parti socialiste en un parti social-libéral qui ne se distingue plus tellement du libéralisme social d'une certaine droite orléaniste, comme l'aurait dit René Raymond, est évidemment une illustration de cela. Autre facteur, les nouveaux clivages qui apparaissent depuis un certain nombre de décennies. On constate qu'un certain nombre de grands événements divisent de manière transversale les familles classiques de droite et de gauche et puisque nous sommes dans une actualité encore marquée par ce qui se passe au Proche-Orient, rappelons par exemple que les guerres du Golfe ont trouvé des adversaires et des partisans, aussi bien à droite qu'à gauche, donc tout cela fait apparaître des nouveaux clivages, et les guerres du Golfe ne sont bien entendu qu'un aspect des choses. Et puis il faut sans doute évoquer la question ou le phénomène des populismes, auquel nous avions déjà consacré une émission, mais qui mérite sans doute d'être analysé toujours plus en profondeur, et qui sont un peu la résultante de ce discrédit et de cette indifférenciation des grands partis de gouvernement. Bref, voilà situé de manière très rapide la problématique de cette discussion. Il s'agit de savoir si le clivage droite-gauche a encore un sens, s'il est complètement obsolète, s'il conserve sa validité dans tel ou tel domaine, et d'essayer de mieux cerner son statut actuel. Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau Marc Autarchi, qui est politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Florence, et par ailleurs directeur des revues Diorama et Trasgressioni. Vincent Coussodière, professeur agrégé de philosophie, qui est l'auteur d'un livre paru il y a, je crois, 3 ans, Éloge du populisme. Christophe Geffroy, journaliste, écrivain, directeur de la revue catholique La Nef, qui a été fondée en quelle année ? 1990. Ah, pas mal de temps déjà. Et Paul-Marie Couteau. Paul-Marie Couteau, je crois, a au départ une formation plutôt de diplomate, mais il a été par la suite conseiller de Michel Jobert, de Philippe Séguin, de Jean-Pierre Chevènement. Il a été député européen souverainiste de 1999 à 2009, et aujourd'hui, il dirige la revue Les Cahiers de l'Indépendance, qu'il avait fondée en compagnie du regretté Hervé Couteau-Bégaré. Alors, je ne sais pas qui veut s'exprimer le premier, Marc Autarchi peut-être, sur qui apportera peut-être un éclairage transalpin, disons, sur cette problématique, car elle se pose aussi en Italie, bien entendu. Oui, merci. Je pense qu'on peut parler du clivage gauche-droite à un niveau de théorie politique
Et on peut le faire, c'est un peu, disons, mon obligation professionnelle, à un niveau empirique, donc factuel. Et les différences, selon moi, sont très importantes lorsqu'on décide d'aborder le sujet à partir d'un certain niveau ou de l'autre. Parce que, comme vous l'avez dit d'ailleurs, les notions de droite et de gauche, bien sûr, ne sont pas enracinées dans une nature quelconque. Il s'agit de notions qui ont été individuées et même popularisées à partir aussi bien de quelques phénomènes historiques qui remontent, oui, même un petit peu, comme l'a dit Marcel Gauchet, à la Révolution française, mais surtout, comme vous avez précisé, au débat politique de la fin du 19e siècle. Et ces notions, disons, ont servi pour simplifier l'analyse des situations politiques, surtout aux intellectuels. Donc, le débat théorique qui s'est établi sur ce plan a donc subi des évolutions, mais a montré plusieurs manières d'essayer de cerner une essence de chacune de ces notions. Je pense que sur ce plan-là, il est toujours possible d'inventer, si je peux dire, des droites et des gauches idéal typisé, suivant la suggestion de Max Weber, qui parlait donc de idéal typus, et qui donc disait, quand on veut essayer de voir quelle est la substance d'une notion, il ne faut pas en rechercher les traits dans les réalités empiriques, il faut toujours essayer de dépasser le niveau empirique et de créer une notion pure. Alors, si on veut trouver une notion pure, bien sûr, vous l'avez déjà dit, on peut en trouver plusieurs. Vous avez cité quelques auteurs. J'ajoute un italien assez connu, même très traduit en France aussi, qui est Norberto Bobbio, oui, qui a dit « Ah, l'affaire est tranchée, les gens qui misent sur l'égalité et qui prennent l'égalité parmi les hommes sont des gens de gauche. Ceux qui reconnaissent l'inégalité et qui souhaitent le maintien de l'inégalité sont des gens de droite. » Bien sûr, on peut toujours essayer... Je précise au passage que le livre de Norberto Bobbio a été traduit en France, aux éditions du Seuil, je crois, qu'il avait peu suscité de débats en France, qui est très significatif, alors qu'en Italie, il a déclenché des discussions qui ont duré des mois et des mois, où Bobbio a d'ailleurs... Bobbio est un libéral, libéral de gauche. Un libéral socialiste ou socialiste. Bobbio avait été extraordinairement attaqué. Oui, bien sûr, le livre a été traduit ensuite en anglais aussi, il y a eu beaucoup de discussions. Et bon, ça a ouvert, disons, la voie à une quantité énorme de critiques et de positions affirmatives qui reprenaient ces idées. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, on peut, disons, puisque les deux termes et les deux notions sont des notions conventionnelles, on peut toujours, d'une manière arbitraire, identifier des comportements, des attitudes, des mentalités que l'on définit de droite, par exemple, et examiner l'existence d'attitudes, de mentalités, de comportements qui se situent à l'opposé, et en ce cas-là, donc, dire ce sont des comportements de gauche. Donc, comme l'a dit d'ailleurs un autre Italien, vous m'avez demandé un avis transalpin, lui aussi assez connu, le politologue Giovanni Sartori. Gauche et droite peuvent être utiles comme notion si elles constituent des points de repère pour comprendre quelles sont les positions des uns par rapport aux autres. Il dit que ce sont comme des boîtes qui sont vides à l'origine et dans lesquelles on peut mettre n'importe quel contenu, mais l'important c'est que ça serve à partager l'ensemble et donc à montrer qu'il y a des attitudes contraires. Cela aide l'électeur, par exemple, dit Sartori, à choisir son camp. Mais si on passe de ce côté théorique à un côté empirique, il y a de plus en plus de gens qui se refusent de se reconnaître dans la célèbre échelle ou le continuum droite-gauche
lors des sondages, lorsqu'ils sont interviewés pour le sondage, et ce qui est le plus important, il y a beaucoup de gens qui disent « je ne peux pas me situer d'un côté ou de l'autre parce que sur certains sujets, je me sens plutôt à droite, sur d'autres sujets, je me sens plutôt à gauche ». Et c'est tout à fait normal, je trouve, parce que la réalité dépasse ces clivages qu'on a situés à un niveau strictement théorique. Vous avez cité par exemple le problème de l'écologie. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut se situer conventionnellement à gauche. Par exemple, quand on parle de politique internationale, de politique étrangère, on peut bien, disons, adopter un point de vue, je dirais, anti-impérialiste, hein, pour utiliser un terme qui est un peu désuet aujourd'hui. Mais, et donc, être considéré comme quelqu'un qui se situe à gauche, et en même temps, sur le plan de mœurs, avoir plutôt des réserves par rapport au mariage pour tous, comme vous l'appelez en France, ou au mariage gay, comme on dit par exemple, hein, sur un certain nombre de cas en Italie, etc. Et donc, être considéré comme un homme de droite. Alors, c'est évident que le clivage ne tient plus dans les termes habituels. Et pour terminer, nous en avons eu en Italie une preuve très importante lors des élections législatives de 2013 et même de l'élection partielle plus récente, lorsqu'on a vu le grand succès qu'a connu un mouvement comme le mouvement 5 Stelle, 5 étoiles, de l'ancien acteur comique Beppe Grillo, qui lui s'est toujours déclaré complètement au-delà du clivage gauche-droite, et c'est l'une des raisons, selon tous les sondages, qui a permis à ce mouvement de dépasser 25% du vote des Italiens, et qui lui permet maintenant d'être situé dans tous les sondages entre 27 et 28% du vote des Italiens, et peut-être d'être le vrai challenger lors des prochaines élections législatives de 2018. C'était évident. Il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent plus dans ce clivage. C'est intéressant parce que l'Italie a toujours fait grand usage au XXe siècle, en tout cas, des termes de droite et de gauche, tout à fait comme la France d'ailleurs. Il ne faut pas oublier, mais on va le rappeler quand même au passage, que dans les pays du nord de l'Europe, dans les pays germaniques ou anglo-saxons, les termes droite et gauche ne sont pas absents, mais sont beaucoup moins utilisés. Hein. Il faut dire que dans ces pays, il y a une appréhension marxiste beaucoup moins grande, puisque les partis de gauche socialistes, notamment des pays du Nord, pour la plupart, si on prend le cas de l'Allemagne avec le SPD, son fameux congrès de Gettysburg, avaient renoncé officiellement au marxisme. C'est vrai, mais je pense que ce n'est pas la seule raison, car sous la République de Weimar, par exemple, vous aviez un parti communiste très fort, les adversaires du parti communiste ne se définissaient pas comme droite. Dans un pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, c'est plutôt le terme conservateur qui est employé, qui, à l'inverse, passe très mal en France, comme chacun sait, selon la boutade, il commence mal. Mais de surcroît, je crois que la dernière fois qu'un mouvement politique s'est affirmé conservateur, ça devait être d'ailleurs un journal, c'était plus ou moins à l'époque de Chateaubriand. Hein. Personne ne se réclame du mot conservatisme, ce qui mériterait d'ailleurs une enquête assez poussée, parce que le conservatisme anglo-saxon ou le conservatisme allemand ne se ramène évidemment pas du tout à une attitude réactionnaire simplette. Il y a de grands théoriciens du conservatisme allemand et également anglais. Mais c'est une petite parenthèse par rapport au vocabulaire, pour montrer que la problématique n'est pas toujours la même, tandis qu'entre la France et l'Italie, alors là, il y a une extraordinaire proximité. Je vois que Paul-Marie Couteau brûle d'impatience chose. Je suis d'accord avec vous, Alain de Benoît, pour dire, et commençons par l'histoire, en effet, que c'est une facilité que de faire remonter cette opposition droite-gauche à l'année 1790, à la Révolution française. Je n'en tire pas les mêmes conclusions que vous. Vous dites qu'il a disparu ensuite pour ne reparaître qu'un peu 75 ans plus tard, après l'effondrement du Second Empire, parce qu'il y a eu en effet l'équivoque napoléonienne. Et puis, malgré tout, il y a eu, vous venez de le citer, il y a eu une droite à ce moment-là, qui ne s'appelait pas droite, mais conservatrice, et qui était
et puis la droite monarchiste qui reprenait ce clivage selon la manière dont il a été instruit déjà en 1790. Bien sûr, je n'ai pas dit que la droite n'existait pas, j'ai dit que le mot était peu utilisé. Oui, mais ne faisons pas du nominalisme. Le clivage est resté, quels qu'en soient les mots et les métamorphoses, mais j'en dirais une conclusion inverse. Moi, je dirais qu'il est beaucoup plus ancien que 1790. On ne le sait pas toujours, et c'est pourtant assez piquant. On parlait déjà de droite et de gauche au XVIe siècle, mais pour des raisons topographiques. On parlait de la rive droite et de la rive gauche de Paris. Et c'était deux esprits très différents. Rive droite, le pouvoir, le Louvre, le pouvoir politique, donc le pouvoir économique aussi, le Marais. Le centre du pouvoir économique était les Halles, et de l'autre côté le pouvoir intellectuel, qui a d'abord été ecclésiastique, mais à partir du XVIe, il s'en est émancipé. La Sorbonne est même devenue assez contestatrice, c'était la rive gauche. L'imprimerie d'ailleurs s'en est mêlée, presque tous les imprimeurs se sont installés rive gauche, et l'esprit rive gauche, il est né au XVIe siècle, et au XVIIe siècle, avec l'Académie française. Ce n'est pas par hasard qu'elle est d'ailleurs installée sur la rive gauche, je ne crois pas. Les hasards sont des signes, souvent. Et je crois que née justement à l'Académie française, la fameuse querelle des anciens et des modernes était une préfiguration très puissante de ce que sera plus tard le clivage droite-gauche, et y compris aujourd'hui. Le dossier de la revue que je dirige, que vous avez gentiment mentionné, les cahiers de l'indépendance, est consacré à la très grande actualité, à mon avis, par exemple au regard de mouvements comme ceux de la Manif pour tous, de ce clivage entre les anciens et les modernes. Et je crois qu'il instruit pour beaucoup. Alors certes, il y a des métamorphoses, les choses ne se formulent pas de la même manière, mais je crois qu'il cette opposition très vive, à la fin du XVIIe siècle, le discours de Perrault, le discours des modernes, la charge des modernes qui finit par l'emporter à l'Académie française, je crois qu'elle est de 1685, et qui liquide les classiques du grand siècle, instruit pas mal, éclaire beaucoup un des grands clivages aujourd'hui. Et je serais assez prudent vis-à-vis de la mode qui est en train de naître, selon laquelle l'opposition est dépassée. Je suis un peu sceptique et un peu suspicieux sur cette idée moderne très à la mode du dépassement droite-gauche. C'est aussi bien celle d'Emmanuel Macron que, d'une certaine façon, d'Alain Juppé. C'est celle de Monsieur Juncker, aussi bien que celle des divers mondialistes qui vous expliquent qu'au fond, il n'y a plus de débat, que ces affaires droite et de gauche, elles sont largement dépassées, et que nous n'avons qu'à prospérer dans une uniforme et consensuelle pensée unique. Oui, mais là, je vous interromps parce que je crois qu'il était faut le garder comme plusieurs instrument manières, du débat. Oui, il y a plusieurs manières. Il faut le réinstruire sans cesse. Mais il faut le garder, je crois. Il y a plusieurs manières de contester ce clivage. Il est évident que la manière de l'expertocratie, des technocrates qui disent finalement les problèmes politiques mais se ramènent à des problèmes techniques et par conséquent, ils vont finir avec cette division qui ne correspond à rien, c'est tout autre chose que la perspective que nous évoquions tout à l'heure, qui se fonde déjà sur une perception de la plupart des gens qui ne voient plus très bien où est la différence ou se déclarent eux-mêmes partagés. Cela dit, vous faites bien de parler, d'évoquer cette querelle des anciens et des modernes, qui contient, vous avez tout à fait raison de le dire, beaucoup de choses actuelles. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les modernes, c'est grosso modo ce que nous appellerions aujourd'hui la philosophie du progrès, essentiellement. Oui. Or, à toutes les époques, les modernes, ça n'a pas toujours signifié la même chose. D'autant plus que cette même philosophie du progrès, qui sur le plan économique encourage le productivisme, la fièvre de nouveautés permanentes, trouve aujourd'hui de très nombreux critiques, y compris à gauche et à l'extrême gauche, depuis Illich jusqu'à Alain Caillé ou Serge Latouche aujourd'hui, les références ne manquent pas, et d'une manière générale, c'est la grande équivoque de l'écologisme. Je parle de l'écologisme réel, pas de
des partis verts qui se sont mis en roue de secours du Parti socialiste, il y a dans l'écologisme évidemment une dimension à la fois révolutionnaire, mais également conservatrice, puisqu'il s'agit quand même de décélérer par rapport à l'emballement de la croissance et de maintenir, préserver un certain nombre de modes de vie et d'écosystèmes qui vont avec. Donc là, c'est encore... Mais oui, Olivier. On peut ajouter aussi, cher Alain, que la droite, en tout cas la droite parlementaire, depuis 20 ans, s'est souvent présentée comme le parti des modernes contre une gauche qui aurait été archaïque. Oui, c'est tout à fait exact. Mais peut-être qu'on va revenir à ces aspects, disons, plus liés à l'actualité tout à l'heure ou dans une seconde partie de l'émission. Là, je voudrais d'abord que chacun s'exprime en général sur la problématique. Vincent Coussedière, alors. Vous qui vous êtes penché sur le populisme, non, je vais pas tout de suite. Je ne sais pas si une clé de lecture. Si, bien sûr, il y a un lien bien évident. Hein. Mais je voudrais simplement repartir de ce qui a un peu été dit. On peut faire une critique du clivage droite-gauche, qui n'est pas une critique dont le but est de dire que tout est indifférencié et qu'il n'y a plus finalement. De nécessité de ce clivage. Dont cette critique voilà. est instrumentalisée voilà. très largement aujourd'hui. Voilà. Mais on peut ça faire le débat. On peut faire une critique du clivage droite-gauche du point de vue de la nécessité du clivage dans une démocratie pluraliste qui repose, comme le dit Sartori, sur un système des partis. À ce moment-là, on ne fait pas une critique du clivage droite-gauche en disant qu'il ne faut pas cliver, mais en disant que c'est un faux clivage ou que c'est un clivage qui ne recoupe pas les véritables clivage politique actuel et les véritables questions politiques actuelles. Hein. Donc à ce moment-là, la critique, elle est différente. C'est de dire qu'il est insuffisant et il est trop pauvre de cliver gauche-droite de manière binaire par rapport à toute une série de questions politiques où on observe qu'en fait, entre la gauche donc, traditionnelle et la droite traditionnelle, il n'y a peut-être pas tant de différence que ça et de clivage qu'à l'intérieur de chaque camp. On pourrait énumérer les problèmes. Le problème de l'école, le problème de l'immigration, le problème de l'islam, le problème du rapport à l'Europe, le problème du rapport à l'OTAN. Dans tous ces problèmes, j'aimerais qu'on me démontre, alors là je me situe dans le système partisan, hein, c'est le clivage droite-gauche au niveau du système partisan, pas au niveau anthropologique éventuellement, ou des tempéraments, ou des identités. Mais au niveau du système partisan, ce qui apparaît de plus en plus évident et ce qui brouille les choses, c'est qu'il y a moins de différence entre la gauche, Parti socialiste, hein, et la droite, ex-UMP, presque moins de clivage qu'à l'intérieur de chaque camp par rapport à toutes les questions que j'ai énumérées. D'où c'est le populisme. Des clivages hein, transversaux. Tout à fait. D'où aussi la question du populisme qui correspond, à mon avis, à un moment de recomposition profonde du système partisan, qui ne peut plus s'appuyer sur un système binaire, et je dirais quasiment idéologique, hein, parce qu'à mon avis, ce clivage droite-gauche, il faut le poser au niveau du système partisan et au niveau de vision du monde, hein, carrément, d'idéologie. Et bien sûr, il y a une articulation entre les deux, mais tout le problème de ces discussions, c'est qu'on ne sait jamais à quel niveau on se situe. Est-ce qu'on parle du clivage au niveau du système partisan ? Est-ce qu'on parle d'un clivage quasi anthropologique, métaphysique, complètement, si vous voulez, essentialisé hein. Alors moi, j'ai travaillé sur le populisme hein, dans le sens où je pense que le populisme, qui pour moi, je ne prends pas dans un sens partisan, simplement, parce que pour moi, le populisme est un phénomène beaucoup plus profond qu'un phénomène partisan, même si des partis se réclament du populisme ou cherchent à capter ce phénomène. Pour moi, c'est un phénomène profond social, hein, qui se passe au niveau du peuple lui-même, et c'est un phénomène qui vient aussi d'un décalage abyssal entre l'offre politique, dont le clivage droite-gauche ne recoupe pas les véritables alternatives politiques, hein, et la demande politique, qui est celle des Français, qui pour moi n'est pas du tout une demande de démocratie directe, etc., mais qui est une demande d'être gouverné dans le sens du bien commun. Et les Français ne trouvent tout simplement pas dans le clivage droite-gauche un clivage qui recoupe vraiment les différentes solutions hein, qu'on pourrait proposer sur toutes ces questions. Hein. Sur la question de l'école, on trouve à droite des pédagogistes, à gauche des pédagogistes, à droite des partisans de mettre des tablettes partout dans les établissements,
etc., etc. Hein, donc, je crois que vraiment, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Paul-Marie, vous voulez rajouter un mot avant que Christophe Geffroy Christophe d'abord, et puis je prolongerai. Bon, Christophe Geffroy. Alors, pour faire un point général, pour donner un point de vue, il y a tellement de bonnes choses qui ont été dites que je me demande s'il y a beaucoup de choses à rajouter. Je voudrais essayer de voir les choses d'une façon globale. Aujourd'hui, le clivage droite-gauche, c'est quand même quelque chose qui est très ancré dans les mentalités, et même si les sondages que vous citez montrent qu'a priori les gens ne s'y reconnaissent plus, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, assez ancré dans les mentalités. Il est beaucoup moins fort aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques décennies, c'est une évidence. Ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, tous les intellectuels, et là je pense que M. le professeur a raison de distinguer un niveau théorique à un niveau pratique, parce qu'au plan théorique, on voit que les gens qui écrivent sur la gauche ou la droite ont un besoin absolument irrépressible de devoir définir une droite et une gauche. C'est encore ce que Jacques Julliard a fait dans son dernier livre. Lui, il croit vraiment ferme à ce clivage-là. Et quand on lit d'autres livres sur la droite et la gauche, c'est un peu la même chose. Et quand on veut essayer de distinguer cette droite et cette gauche, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que en fait, chaque pays a une histoire un peu particulière. Il y a évidemment, à l'évidence, des points communs entre les différentes nations, mais dans le cas français en particulier, je crois que c'est Michel Vinocq, dans un de ses livres justement sur la droite, expliquait que en fait, la droite s'est toujours définie en réaction par rapport à la gauche. C'est la gauche qui définit et c'est la droite qui en fait se définit par rapport à la gauche. Parce que le cas français est un cas particulier du fait que nous sommes le pays de la Révolution et que toute la vie politique française est en fait structurée par cet événement assez fondateur sur le plan politique. En plus, dans le cas de la France, s'ajoutent les événements de la Seconde Guerre mondiale avec l'épisode de Vichy, qui fait que on a, de façon très simpliste, attribué la résistance à la gauche et la collaboration à la droite. Donc tout ça a complètement déséquilibré, si vous voulez, l'approche politique, qui fait qu'aujourd'hui, la gauche a toujours une popularité dans sa terminologie que la droite n'a pas eue. Et vous parliez tout à l'heure de conservatisme. En France, être de droite, sous quelque vocabulaire que ce soit, a toujours été une chose assez mal vue. Et vous en savez quelque chose, quand vous aviez fondé la Nouvelle Droite à l'époque, c'était un combat culturel que vous aviez mené, justement, pour reprendre, en quelque sorte, réinscrire une présence de droite dans le paysage des idées. Je vous interromps un instant, parce que ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, c'est-à-dire les années 70, les gens de droite ne voulaient surtout pas, pour les raisons que vous avez évoquées, se qualifier de droite. Alors qu'aujourd'hui, des gens de l'UMP ou de l'ex-UMP, des Républicains, ça a changé aujourd'hui, c'est évident. Emploient sans complexe ni état d'âme ce terme de droite à un moment où la définition de la droite est beaucoup plus problématique que ne l'était il y a 30 ou 40 ans. C'est une petite remarque en passant qui montre que les choses sont aussi assez paradoxales. Elles sont paradoxales parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est au moment où le contenu des étiquettes politiques est devenu totalement évanescent que les gens, effectivement, n'ont plus de complexe à se dire de droite. Alors, encore une fois, je pense important de bien distinguer un niveau intellectuel et ensuite un niveau pratique, le niveau politique. Parce que quand on parle de gauche et de droite, pour la plupart des gens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait la querelle des partis politiques, des élections, entre guillemets, une droite et une gauche quand il y a une élection. Le soir des résultats, vous avez les grands panneaux sur les chaînes de télévision qui affichent d'un côté la droite, d'un côté la gauche en général en rose ou en rouge, et la droite en bleu. Bon, mais tout ça, en fait, c'est cela que les Français, en fait, je pense, aujourd'hui remettent en cause, et à mon sens, à juste titre, et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit tout à l'heure Vincent Coustière, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de différences au sein des partis que entre les partis. Alors, entendons-nous, j'entends entre les partis, entre guillemets, les plus importants, PS d'un côté, Républicains de l'autre, puisque, en fait, je pense que dans la typologie de ce qu'on pourrait appeler historiquement la droite et la gauche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a évidemment plusieurs gauches et plusieurs droites, et on s'aperçoit, en fait, que là où on voit le plus de permanence, c'est en fait dans les extrêmes. Et du reste, à tel point que c'est Terray, dans son livre sur la droite, qui est sorti il y a quelques années, quand il définit en fait la droite, en fait, il définit la droite contre-révolutionnaire.
C'est assez curieux. Il veut définir la droite d'une façon générale. Et en fait, tout ce qu'il définit, c'est vraiment stricto sensu, la droite contre-révolutionnaire. Donc aujourd'hui, on peut dire que ces notions-là ont encore un semblant d'existence, peut-être dans les partis extrêmes. Et encore, ce serait, à mon sens, extrêmement discutable. Peut-être qu'on pourra en discuter ici, tout à l'heure. Mais c'est là où peut-être il y a le plus de permanence. En revanche, il est évident qu'entre le Parti Socialiste et les Républicains ex-UMP, c'est une véritable auberge espagnole où, de toute manière, ils sont à peu près d'accord sur tout. Donc, les Français ne s'y reconnaissent pas. Ils ne peuvent pas se reconnaître entre une gauche socialiste qui est à fond pour l'Europe libérale qu'on nous construit, qui est favorable aux interventions américaines dans le Golfe et autres, et qui, en même temps, sur le plan des mœurs, est complètement libertaire, alors que la droite en face est quasiment du même avis sur le plan des mœurs, du même avis sur le plan de la politique étrangère, et en même temps, tous ces gens-là ne placent pas la nation à un niveau d'importance telle que la démocratie doit se faire dans ce cadre national. Donc les cadres, si vous voulez, ou les repères habituels qui structuraient initialement, historiquement, la droite et la gauche, de ce point de vue-là, ont complètement volé en éclats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'ordre politique au sens électoral du terme, ce sont des notions qui ont qui pour moi n'ont plus grand sens. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, à droite comme à gauche, on voit cette démarche très subjective qui consiste, de la part de certains hommes de droite, à en attaquer d'autres en disant « vous êtes une fausse droite hein ». C'est un langage qu'on entend fréquemment au Front National contre l'UMP, dite UMPS. Vous n'êtes pas une vraie droite. Ce n'est pas le Front National qui tient le discours. Hein. Et là, ou autour du Front National, c'est exact. Oui. La remarque de Paul-Marie est plutôt tout à fait vraie. Le Front National ne se définit pas par rapport à ces notions. Mais si vous regardez à gauche, par exemple, la critique que fait Michel Onfray, qu'on présente tout à fait abusivement comme un néo-réactionnaire, il n'est pas du tout néo-réactionnaire, il critique la gauche, effectivement, au nom de ce qu'elle devrait être à ses yeux et qu'elle n'est plus. C'est encore plus clair chez un auteur comme Jean-Claude Michéa, par exemple, qui dénonce la gauche au nom du socialisme, en disant la gauche a trahi la vocation mais parce qu'à l'origine, vous l'avez bien dit, au XIXe siècle, le socialisme ne se définissait pas de gauche. Absolument. Il a fallu, je crois, l'affaire Dreyfus, je ne sais pas si c'est à partir c'est de là. C'est au moment de l'affaire Dreyfus que vraiment les clivages se sont faits. Le socialisme original n'était ni marxiste, absolument, ni de gauche. Dans plusieurs pays, ça, absolument, continue à être comme ça. Par exemple, récemment, lors d'un séminaire sur le populisme en Amérique latine, on remarquait le fait que Hugo Chavez, considéré comme le tenant du populisme de gauche, ne se référait jamais à la gauche. Il disait « socialismo bolivariano ». Socialisme, 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 qui pour lui était quelque chose de très proche de la notion de communauté nationale, mais jamais les tenants du populisme latino-américain n'ont fait référence à la gauche. Alain, ce que je voulais dire, ajouter très important, c'est que le fait de récuser une partie, je dis bien qu'une partie de ce clivage droite-gauche, ne veut pas dire, évidemment, récuser le débat d'idées. C'est au contraire, je trouve, aujourd'hui, ce clivage tel qu'il est mené, absolument, de façon artificielle, qui empêche le débat d'idées. Mmh. Et justement, parce que pourquoi moi, j'ai créé un journal en 1990. J'ai beaucoup souffert des étiquettes qu'on nous a collées au départ. Alors, on était soi-disant des tradis ou je sais pas quoi. Mais le problème des étiquettes, qu'elles soient droite, gauche, tradie dans l'église, progressiste, c'est ce qui empêche de réfléchir. Parce qu'on vous colle dans une case, et une fois que vous êtes dans une case, vous ne pouvez plus en sortir. Or, le problème, c'est de pouvoir débattre indépendamment des étiquettes des uns et des autres. Parce qu'effectivement, on peut être de droite sur un sujet, de gauche sur un autre, on peut être progressiste sur un sujet, conservateur sur un autre. Je veux dire, moi, je prends mon miel partout où il est, et je me moque que l'auteur qui va écrire et qui m'apporte quelque chose soit un auteur de droite, de gauche, du centre ou ailleurs. Ce sont les idées qui devraient primer plus que les étiquettes qu'elles portent. C'est certainement la démarche la plus honnête et la plus sage, cher Christophe Geffroy. Paul-Marie Couteau, je voulais me méfie un peu de cette unanimité. Rajouter un peu de commentaire avant qu'on fasse une pause. Je voudrais plutôt retrancher, parce que je ne me réjouis pas tellement, en réalité, de cet unanimisme entre vous. Chacun à sa façon dit que ce clivage est dépassé, que l'on trouve des éléments dits de droite à gauche, etc. Pourtant, j'attire votre attention. Paul-Marie Couteau, petite objection personnelle. Vous avez travaillé beaucoup dans votre carrière avec des hommes qui
soit parce qu'ils étaient gaullistes et que le général de Gaulle ne se situait pas tellement par rapport à ce clivage. Je pense à Michel Jobert. Jean-Pierre Chevènement n'est pas particulièrement un homme de droite. Et pourtant, il a été crédité de beaucoup d'options droitières, alors que c'est un homme qui vient du PS. Alors vous continuez à... Quant à Philippe Séguin, c'est un peu le modèle même de l'homme de gauche de droite, n'est-ce pas ? Écoutez, ça, pour autant, il y a un piège là-dedans. Nous ne sommes pas au XXe siècle, mais au XXIe. Et je reconnais que j'ai évolué sur la question en grande partie parce que, reprenant la distinction de, que vous faisiez à l'instant, en entrée de jeu, monsieur le professeur, il y a deux niveaux à distinguer. Il y a le niveau théorique. Alors là, on peut parler sans fin de la possibilité ou non, je crois que c'est possible d'ailleurs, autour de l'idée de nature, autour de l'idée de limite et de tradition. Elles vont ensemble, d'ailleurs, de donner une continuité, une permanence, mais il faut les reformuler sans cesse, à ce qui peut s'appeler aujourd'hui la droite et la gauche sur un plan théorique. Donc bon. Ça devient une conception philosophique, quasi-philosophique. Et alors, je voudrais sortir... On est d'accord. Exactement, d'accord. C'est ça. Et je voudrais est-ce passer à l'autre niveau. Est-ce que ce n'est pas rétrospectivement que le clivage gauche-droite politique rétrospectivement devient un clivage philosophique. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes vraiment des intellectuels, vous n'êtes pas praticien comme je l'ai été de la chose politique. Parce que quand on passe au niveau pratique, c'est-à-dire politique, on pourrait dire institutionnel, constitutionnel, électoral, là, ce discours révoquant la droite et la gauche fait des carnages. En tous les cas, il fait des carnages à droite. Et il assure l'hégémonie de la gauche qui, elle, ne se remet pas en cause en tant que gauche. Je dis constitutionnel parce que, vous me la voyez belle, Alain Benoît, je sais que vous connaissez fort bien le général de Gaulle, je m'y suis intéressé aussi. On le dit beaucoup, ni à droite, ni à gauche, mais c'est quand même lui qui a voulu la réforme constitutionnelle de 62. Et nous vivons sous cette règle-là. Hein. Nous parlons bien de politique, là. Cette réforme constitutionnelle fait dépendre l'ensemble du pouvoir, ou de ce qu'il en reste, du sort du second tour de la présidentielle. Tout dépend du second tour de la présidentielle. Ça, c'est le général de Gaulle qui l'a voulu. Et là, y compris pour lui-même en 65, il y a un clivage très net. De Gaulle a eu besoin de toute la droite, car il a eu en face de lui toute la gauche en 65. Et on peut dire que chaque fois qu'il y a des élections présidentielles, ce clivage se reproduit. Et alors là, pour le coup, la gauche, elle n'a pas d'état d'âme, n'est-ce pas La gauche et l'extrême droite en 65. Entre lui, la gauche et l'extrême droite. Oui, c'est ce que disait Malraux, le candidat de toute la gauche et de toutes les gauches, dont l'extrême droite, en parlant de Mitterrand. C'était bien vu, d'ailleurs. Mais justement, ne tombons pas dans ce piège, parce qu'il n'y a pas simplement dans les... Et je reviens sur le général de Gaulle. Certes, pour lui, gouverner à droite et gouverner à gauche, c'était idiot. On gouverne selon le bien commun. Bon. Mais quant à la conquête du pouvoir, qui est une autre fameuse affaire, et c'est bien aussi la chose politique, elle a même envahi l'ensemble de la chose politique. Et... Oui, mais rappelez-vous qu'à l'époque de la 4e République, le projet de CED, la Communauté économique de défense, ce projet vole en éclats sous l'assaut conjugué des gaullistes et des communistes. Oui. Hein donc, là aussi, on voyait déjà un événement, un projet important de Paris, qui créait quelque chose de transversal. Mais alors, vous revenez encore une fois. Non, mais c'est un... D'accord. Mais moi, je me situe... Vous parlez du général de Gaulle. Je vous rappelle que le général de Gaulle, c'est quand même allié aux communistes. Et certains diront que ça peut monter plus haut. Et d'autre part, qu'il a eu aussi une fraction de la droite qui était très hostile. Nous sommes en 2015. Se pose quand même la question, pour ce qu'il en reste, de la prise de pouvoir dans le cadre d'institutions et d'une constitution qui crée ce cadre-là, le cadre binaire du clivage droite-gauche. On aurait très bien pu penser que serait élu celui qui arrivait en tête. Bon, eh bien non, il y a un second tour et là se recrée deux regroupements. Le général de Gaulle l'a voulu tel, d'ailleurs toute sa personnalité était quand même... toute sa formation, celle d'un homme de droite infiniment plus qu'un homme de gauche. Il a eu, contrairement à ce que l'on dit, des mots beaucoup plus cruels pour la gauche que pour la droite. Il a même dit qu'il ne situait pas au même niveau d'ignominie la gauche et la droite. Ça, on l'a un peu escamoté. Les gaullistes sont devenus très, très, très gauchards pour des raisons mondaines. Mais enfin, le général de Gaulle était un homme de droite qui a toujours eu la gauche en face de lui, quand même, y compris en 40. Bien. Laquelle était derrière, en effet, derrière Vichy. Mais
Il s'agit aussi de conquérir le pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, je crois qu'il faut des alliances. Et si nous, beaux intellectuels de droite comme nous sommes, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'êtes, vous ne l'êtes pas, vous ne voulez pas l'être, bon, parce que plus personne ne veut l'être. Alors, évidemment, la pauvre droite, elle est, enfin, nous sommes quand même quelques-uns autour des cahiers de l'indépendance à accepter le terme, mais c'était bien rare. Nous sommes, dans les élections, pulvérisés. La gauche, elle, se recrée. Non seulement dans les élections, mais dans cette forme subtile de conquête de pouvoir, qui est de conquête le pouvoir intellectuel. Vous dites de gauche, vous trouvez, quoi que vous écriviez, vous trouvez tous les éditeurs que vous voulez, il suffit d'utiliser le mot gauche. Vous dites de droite, vous ne les trouvez pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi, à force de ne pas se vouloir de droite en disant c'est relatif, théoriquement c'est mal fondé, etc., on n'a pas réussi à faire bloc. Et c'est ainsi que prospère, et politiquement et intellectuellement, une hégémonie de gauche qui aura dominé toute la Ve République, et je ne crois pas que ce soit le meilleur pour la France. Donc aussi, d'un point de vue, et même c'est le pire, d'un point de vue opérationnel, électoral, pratique, comme disait le professeur Sartori, je crois qu'on ne devrait pas manier à l'infini l'idée selon laquelle la droite n'existe pas, parce que du coup, c'est nous qui n'existons pas, ou c'est la droite électorale et intellectuelle qui n'existe pas. Je ne crois pas du tout qu'elle n'existe pas, je crois simplement qu'il y a toujours... Qui défait ses forces et qui se... Et qui, et je vais jusqu'au bout de ma pensée, qui défait ses forces et qui se désunit, et cette désunion, elle apparaît très cruellement aujourd'hui, dans la perpétuation du piège de François Mitterrand, qui a parfaitement compris les choses et qui a divisé la droite en deux. Perpétué, hélas, hélas, trois fois hélas, par Marine Le Pen, qui ne se veut ni de droite ni de gauche, et qui, à mon avis, raté une occasion historique, raison pour laquelle je l'ai rejoint et pour laquelle je l'ai quitté, parce qu'elle n'a pas du tout joué ce jeu-là, consistant à réunir une nouvelle, à incarner une droite neuve, populaire et nationale. Et elle a, au contraire, perpétué le piège de Mitterrand en mettant sur le même pied d'ignominie l'UMPS, c'est-à-dire l'UMP et le PS. Le résultat, la droite paraît divisée et Hollande a toutes les chances de... pour être très précis et concret, à quelques chances, malgré tout, inespérées, de redonner président de la République. Donc on va rester sur le carreau avec nos grandes considérations, vous voyez ce que je veux dire. Nous avons souvent parlé, tous les deux, oui, de cette question sur laquelle nous sommes en désaccord. Certes. Mais on ne va pas approfondir, d'abord parce que ce n'est pas une émission politique, mais une émission d'idées dont on va, ah bah, droite, on va gauche, pas parler. Ah, rapport on avec la politique. Non, on essaie de l'envisager dans toutes ses dimensions, y compris philosophique et historique. La droite a existé, mais ce qui a toujours existé, ce sont des droites. Il y a une chose d'ailleurs, puisque vous évoquez, vous faites référence par rapport à la conjoncture, à l'union des droites. J'ai toujours été très frappé qu'on entend parler régulièrement de l'union des droites et de l'union de la gauche. Hein? On n'entend jamais parler de l'union de la droite ni de l'union des gauches. Moi, j'ai toujours parlé de l'union de la droite. Hein, alors, c'est peut-être une simple habitude de langage, mais peut-être y a-t-il aussi, dans ce grand magma qu'on appelle la droite, beaucoup plus de différences fondamentales qu'il n'en existe... qu'il n'en existe à gauche, encore que même chez les trotskistes, il y en a qui sont plus marqués à gauche que d'autres. Mais pour dire les choses autrement, si vous voulez... Si quelqu'un vient me voir et désireux de se situer, me dit, ben voilà, je suis un homme ou une femme de droite. Bon, je me doute qu'il n'est pas spécialement trotskiste ou maoïste, mais encore, je ne sais rien. Je ne sais rien de ces options, car on voit bien qu'il y a une droite libérale et une droite antilibérale, une droite européenne et une droite anti-européenne, une droite pro-américaine et une droite anti-américaine, une droite confessionnelle et une droite anti-confessionnelle, une droite traditionnaliste et une droite plutôt révolutionnaire. Donc, que ce soit sur le plan des grandes orientations, des étiquettes intellectuelles ou concrètement des choix politiques empiriques immédiats, finalement, ce n'est que par des questions ad hoc et des questions supplémentaires que je verrai à peu près où il se situe dans le paysage politico-intellectuel. Tandis que se situer simplement sur une étiquette sans préciser
sur quelle substance vient se coller cette étiquette, ça devient extrêmement difficile. Je peux redire un tout petit mot, j'abuse un peu du temps de parole, j'ai l'autorisation. Oui, mais pas longtemps, parce qu'on va faire une petite transition. Je réponds à la flèche du Part que vous m'avez envoyée à l'autre Benoît tout à l'heure. Oui, en effet, j'ai travaillé avec des hommes de gauche et des hommes de droite, tout simplement parce que j'ai toujours cherché ceux qui levaient le drapeau national et qui protégeaient à tout le moins le cadre de la nation. Et donc, ce drapeau national se levait de différents horizons. Évidemment, le cadre n'est ni de droite ni de gauche, c'est le cadre même de la politique. Après, à l'intérieur du cadre, il y a des options possibles. Et là, je crois que se recrée. Mais ce qui a été longtemps en jeu, ce qui est encore en jeu aujourd'hui, c'est le fait qu'il y ait ou non une France. Alors à ce moment-là, à chaque fois que j'ai vu à l'horizon un homme porter l'idée même du cadre national, je l'ai soutenu. Mais ce faisant, justement, c'est là que porte ma réponse, j'ai fréquenté beaucoup d'hommes de droite et beaucoup d'hommes de gauche dans différents cabinets ministériels ou lorsque j'étais dans les différents parlements, l'Assemblée nationale ou comme député à l'Assemblée européenne. Je peux vous dire que, pour en connaître beaucoup, les différences de tempérament, de réflexes, de thèmes, de comportement entre les uns et les autres sont flagrants. Alors certes, encore une fois, d'un point de vue théorique, on peut disserter sans fin, il est très difficile à saisir ces clivages. Encore que, à mon avis, on puisse le reformuler, il faille le faire. Mais enfin, quant au comportement des hommes, il y a des hommes de droite et des hommes de gauche. Les atmosphères dans les cabinets ministériels sont tout à fait différentes. Les réflexes, les présupposés sont entièrement, enfin pas entièrement, mais sont très souvent opposés. Et je dois dire que si on peut reprendre un point, la position de départ très intéressante que vous faisiez, demandant, enfin suggérant de distinguer le niveau théorique et le niveau pratique, j'ajouterais un troisième niveau, celui des personnes, celui des cultures, celui des comportements. Et là, à mon avis, on repère très vite un homme de gauche et un homme de droite. Moi, je les repère assez immédiatement. Mais à quoi d'être en France, pas en Italie, parce que probablement on a été gouverné au centre pendant 50 ans, et je vous assure qu'aujourd'hui, il est vraiment impossible de distinguer une anthropologie politique des hommes politiques de droite et de gauche en Italie. Si, il y a le rapport à la tradition, il y a le rapport à l'héritage, il y a le rapport à la langue. Par exemple, notre président du Conseil, Renzi, tout le monde, ou presque, dit que c'est quelqu'un qui se situe la plupart du temps par ses choix, par ses positions à droite, dans un parti de gauche. C'est ça le problème. Et c'est un exemple, ce que vous avez, très français. C'est très important par rapport à la Constitution française. Donc, le mode de scrutin, la présidentielle et tout ça. Mais ça démontre encore une fois qu'on n'est pas devant un phénomène, disons, métaphysique. Oui. C'est tout simplement le produit de certaines contingences politiques. Alors, rattacher tout cela à des essences anthropologique, philosophique, etc., ça devient de plus en plus difficile. Je crois qu'on est même à un stade où on est en train de rattacher la gauche et la droite à des identités. Ce que vous venez de dire me fait penser que je pense qu'on est arrivé au stade communautaire, au communautariste de la gauche et de la droite. Parce qu'à partir du moment où gauche et droite ne recoupent plus des politiques différentes, n'ont plus de sens sur un plan proprement politique, alors quel est le contenu de ce clivage? Ça devient un contenu qu'on relie à une origine, à une famille, à une identité. Dans ce sens-là, quand par exemple M. Guénot, on l'interroge sur ses positions et sur sa proximité avec le Front National, on lui demande est-ce que vous seriez prêt éventuellement à faire alliance avec le Front National, et c'est très intéressant de voir sa réponse. Sa réponse, c'est une réponse justement en termes de famille. En termes d'origine, c'est André Siegfried, hein, le politologue qui avait fait toute une étude sur le tempérament de gauche et de droite. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça, parce que là, on n'est plus du tout dans la politique. Et on est dans un devenir communautariste de la gauche et de la droite, qui, en fait, voilà, d'appartenance, qui, en fait, veut masquer que sur le plan véritablement politique, parce que toute la question, c'est aussi qu'est-ce que la politique, hein. Parce que, à mon avis, cette opposition, elle est profondément idéologique. Et l'idéologie contamine la politique en France, et on n'arrive plus à avoir des clivages qui sont liés aux circonstances. C'est là qu'il faut aussi se référer à De Gaulle. De Gaulle, la politique a toujours rapport aux circonstances. Et donc, les clivages politiques ne peuvent pas être déduits d'une opposition binaire purement idéologique. Par contre, les principes fondamentaux de la nation, alors là, on n'est plus au même niveau, effectivement.
Hein. Et là, on n'est plus dans les clivages politiciens, justement. Mmh. Et je voudrais faire remarquer quand même un paradoxe. C'est que ce qui permet de développer un pluralisme des partis, partisans, clivés, c'est l'unité nationale. C'est la cohésion nationale. C'est que le cadre et les principes, c'est ce qu'explique très bien Sartori, ne soient pas remis en cause. Or, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à mon avis, s'apparente tout à fait à la situation qu'a connue De Gaulle en 1940. C'est une situation de mise en cause très profonde de la cohésion et de l'unité nationale, qui fait qu'il est très difficile, dans cette situation, d'avoir la liberté de développer des oppositions partisanes. C'est ça le paradoxe. Juste une petite phrase, encore une fois j'abuse, mais je réponds à Christophe Geffroy qui me dit « Mais quels sont comment on repère un homme de gauche et un homme de droite ?» J'ai écrit les discours de Jean-Pierre Chevènement, je peux le dire, ça ne se disait pas à l'époque, mais on peut le dire maintenant, et peu après les discours de Philippe Séguin. Eh bien, j'aime assez l'imparfait du subjonctif. Je glissais des imparfaits du subjonctif dans les discours des uns et des autres. D'ailleurs, quelquefois, je pouvais presque faire du copier-coller. Mais enfin, c'est un aveu que je ne devrais pas faire, je leur ai fait dire à l'un et à l'autre à peu près la même chose. Mais alors, Jean-Pierre Chevènement me faisait enlever toujours les imparfaits du subjonctif. Séguin, jamais. Au contraire, ils sont piqués. C'est un des signes de comportement, de rapport à la tradition, que je trouve très parlant. C'est pour ça que je voudrais introduire ce troisième niveau. Il y a l'homme de gauche et l'homme de droite. Et pourtant, j'en pense. Alors, c'est une thématique très intéressante de savoir si le clivage droite-gauche, au fond, le seul domaine où il reste, c'est la psychologie. Psychologie de l'homme de gauche et de l'homme de droite, ce qui d'ailleurs explique le fait que quelqu'un qui a une psychologie de droite et des valeurs de droite puisse en même temps se reconnaître dans des idées de gauche. Vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Il y a un niveau psychologique. Cher Paul-Marie Couteau, votre imparfait du subjonctif, je vous rappellerai que vous le trouviez beaucoup plus dans la bouche de François Mitterrand que dans celle de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. C'est un fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que Nicolas Sarkozy, il se trouve, le manie beaucoup. Vous n'avez pas remarqué, mais il manie beaucoup, je pense, par l'intermédiaire du Guénaud susnommé, mais il a manié beaucoup l'impératif, le subjonctif. Il a entendu dire que ça faisait bien. On va s'arrêter. Et oui, justement, pour lui, c'est valorisant, pour un homme de gauche, ça ne l'est pas, et ça parle. On va s'arrêter quelques instants et se retrouver dans quelques minutes. Alors, jusqu'à la fin des années 1970, environ 75% des ouvriers en France votaient à gauche. Aujourd'hui, c'est le Front National qui est devenu le premier parti ouvrier de France. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que c'est une illustration du fait que ce clivage, quand même, se transforme de façon considérable? Oui, je pense que c'est une illustration. À l'origine, la gauche se définissait par deux points principaux qui étaient d'être du parti du progrès. Condorcet, par exemple, Julliard, dans son livre sur la gauche, rattache ça à Condorcet. Et la justice. Oui, et le deuxième critère, c'était la justice, l'égalité. À la fin de son livre, finalement, il n'arrive à trouver comme seul critère de la gauche que l'égalité. En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on voit un think tank comme Terra Nova, visiblement, même d'un point de vue stratégique, la gauche, enfin la gauche, le Parti Socialiste tout au moins, a choisi de délaisser, entre guillemets, le peuple parce que c'était électoralement plus porteur de s'occuper plutôt de ce qu'on appelle les bobos, cet électorat-là, que du peuple. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, effectivement, le Front National est devenu le premier parti ouvrier de France, qui est quand même une chose extrêmement intéressante d'un point de vue politique, et notamment du point de vue de la, comment dire, de la redistribution des cartes politiques. Lequel Front National, d'ailleurs, a un discours économique, est un discours qui n'est pas un discours du tout libéral, hein, qui est un discours même très très antilibéral. Dire beaucoup de gens de droite le lui reprochent et reprochent au Front National d'avoir un positionnement économique plus de gauche que de droite. Donc là aussi,
c'est assez intéressant de voir que ce parti qui représente quand même à bien des égards des caractéristiques très claires de la typologie de droite sur l'attachement à la nation, sur des sujets comme ça, sur l'immigration et autres, se retrouve en même temps sur le plan économique, sur une typologie ou sur des critères qui sont plus ceux de la gauche. Donc cet exemple-là me semble en effet un des éléments intéressants de la redistribution des cartes politiques. Alors, ce qui est intéressant, vous venez de dire l'attachement à la nation, signe manifeste de la droite. C'est vrai, mais depuis un certain temps seulement. Bien sûr. Car la nation en tant que, je ne parle pas en tant que réalité charnelle et historique, je parle de la nation en tant que concept politique n'apparaît qu'avec la révolution. Oui, c'était une notion jacobine. Avec la révolution française, c'est tout à fait une idée jacobine. C'est très drôle d'ailleurs, là on est vraiment dans l'actualité, de voir que ces jours-ci, il y a eu tout un débat qui s'est enclenché à propos du drapeau français. François Hollande, au moment de l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, a dit qu'il faudrait que les Français pavoisent avec le drapeau français. Et alors, à gauche, on a entendu des gens dire « mais le drapeau français, c'est l'emblème du Front National ». C'est quand même tout à fait extraordinaire, n'est-ce pas, hein, c'est faire un cadeau au Front National car il a volé le drapeau français. Alors oui, les choses se compliquent. En réalité, la droite légitimiste en tenait plutôt pour le drapeau blanc au XIXe siècle. Donc les choses sont toujours embrouillées, même lorsque l'on regarde en arrière. Moi, je pense que l'une des grandes raisons pour lesquelles le clivage droite-gauche est, sinon obsolète, du moins de plus en plus contesté, c'est qu'on a assisté à deux abandons massifs. La droite, globalement parlant, a abandonné ou oublié la nation, tandis que la gauche, globalement parlant, a abandonné ou oublié le peuple. Et ce double abandon a créé deux types d'orphelins qui aujourd'hui se retrouvent dans des partis dont ils espèrent qu'ils seront non pas des partis de droite ou de gauche, mais des partis représentatif du peuple à une époque où la démocratie représentative leur paraît ne plus rien représenter du tout. – Oui, mais encore une fois, je reviens à le point de départ que vous aviez choisi, Alain, c'est la question du vote ouvrier. Mais je ne crois pas du tout, alors ça devient absolument très facile de pulvériser le clivage droite-gauche, et vous n'en faites pas faute, je ne crois pas du tout que ce soit dans l'ordre économique et social que se trouve ce clivage. Dans son essence, il a une essence. En tous les cas, j'ai essayé de montrer qu'il avait une permanence au milieu de métamorphoses, et cela depuis le XVIe siècle. Peut-être autour de la question, je répète, autour de la question de la nature, du droit naturel, de la limite et de la tradition qui indique la limite et qui indique ce que veut la nature. Il y a à mon avis quelque chose à penser autour de ce paradigme-là de nature aujourd'hui, si on veut refonder une droite et lui donner un peu d'allure, ce qu'elle n'a pas intellectuellement, puisqu'elle se soucie absolument pas du travail intellectuel. C'est stupéfiant que l'UMP ou les Républicains, ou d'ailleurs le Front National, n'aient pas jugé bon d'avoir la moindre revue théorique. Bon. Mais là, bien entendu, on peut dire que la droite peut être sociale. De Gaulle, qui est un homme de droite, a eu une politique sociale, mais inspirée du comte de Chambord, y compris dans l'aspect le plus aigu, celui de la participation. Ça, c'est tout à fait contingent, la droite et la gauche. La droite et la gauche, en effet, sur la question économique, parce que la question économique, elle échappe aux classifications. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas participé au débat de la Nef sur le libéralisme. Je crois que ce mot n'a absolument aucun sens. Pardon, Christophe, j'ai refusé de répondre à la demande que vous m'avez faite d'écrire sur le sujet. C'est un mot qui ne veut absolument rien dire, dont il faut absolument faire l'économie. Ça ne veut rien dire. L'économie sans jeu de mots. L'économie répond à des préoccupations pragmatiques, au coup par coup. On peut être, comme le fut le général de Gaulle d'ailleurs, très libéral avec l'UF et très dirigiste avec le plan. Et c'est concomitant et ça répond simplement. Je suis content que vous ayez évoqué cette notion parce qu'elle rappelle le paradigme essentiel. Ça répond simplement aux nécessités du bien commun. Alors là, si on le situe sur ce... Il n'empêche que le libéralisme est quand même une grande idéologie fondatrice du XXe siècle. Du XVIIIe, du XIXe, du XXe,
système. Depuis le 18e siècle. C'est la bouillie pour les chats. Il s'épanouit aujourd'hui. C'est la bouillie pour les chats, le mot libéralisme. Bon, c'est vraiment. Tout le monde est libéral, personne ne l'est. Enfin, bref. Et d'ailleurs, le libéralisme ne peut survivre que par l'intervention de l'État, c'est-à-dire s'il se nie. C'est vraiment le mot dont il faudrait faire l'économie parce qu'il ne veut rien dire. Non, mais c'est pas parce que sur certains terrains, en effet, le clivage est dépassable, il doit être dépassé, parce que c'est tout de même de l'ordre de la contingence, sauf si on plonge dans un économisme qui absorbe l'ensemble des questions politiques et même des questions théoriques, ça guette beaucoup de nos contemporains pour qui toutes les questions sont économiques. Et le reste, c'est... Non, il y a, en dehors de cela, des paradigmes, je répète, autour de la question de la nature, des limites, de la tradition, qui peuvent recréer ce clivage. Et évidemment, c'est une facilité que l'on se donne quand on voudrait... Je vous attaque, cher Alain Benoît, quand on voudrait le pulvériser à partir de ceux qui n'a jamais voulu éclairer ce pauvre clivage, c'est-à-dire les questions économiques et sociales à travers le vote des ouvriers ou autres. Bien. Vincent Coussonnière, un mot peut-être de conclusion peut-être sur ce débat sans peut-être fin. Peut-être une anecdote, hein, vous vous souvenez du livre de Raymond Aron, L'opium des intellectuels, hein, qui commence par le mythe de la gauche. Hein. Et qui commence par le rappel d'une citation de Alain, faite par Aron, hein, la fameuse phrase de Alain, où Alain dit « Si quelqu'un me demande quelle est la pertinence, hein, du clivage gauche-droite, eh bien, j'en déduis que c'est sûrement quelqu'un de droite. Hein. » Donc, il y a toute la bonne conscience de gauche, finalement, hein, qui est derrière tout ça. Et je pense que, fondamentalement, je pense que ce clivage, en fait, il a été en grande partie produit par la gauche. À la fin du 19e siècle, par l'opposition entre, bien sûr, hein, la sortie du capitalisme, le marxisme, la critique du capitalisme, c'est ça qui a durci l'opposition gauche-droite. Je pense qu'on assiste à l'effondrement pérenne, très profond, de l'idéologie du socialisme. Et je pense qu'on va, alors, je pense qu'on va voir se reconstituer une opposition idéologique qui risque d'alimenter le système des partis, qui risque d'alimenter de nouvelles manières la recomposition du système partisan. Cette opposition, c'est entre le multiculturalisme d'un côté, qui aura comme forme politique ou qui prendra comme forme politique l'Empire, et de l'autre côté, un attachement à la nation. Alors la nation qui peut être républicaine d'ailleurs, hein, je pense que c'est là-dessus, c'est pas seulement mondialisme-souverainisme, hein, ça me semble une opposition trop abstraite, mais l'opposition qui est appelée à se durcir, et qui est vraiment un contenu idéologique, c'est celle du multiculturalisme, qui d'ailleurs à mon avis est une métamorphose du socialisme, hein, parce qu'avec les idéologies on n'en a jamais fini, c'est comme avec le nihilisme d'après Nietzsche, vous savez, la mort de Dieu, hein, on n'en a jamais fini, parce que la mort de Dieu, Dieu est toujours remplacé par d'autres valeurs qui vont essayer de soutenir. Je pense que pour les idéologies, il en va de même. Je pense que le libéralisme trouve sa métamorphose, son dépassement dans le socialisme, et que le socialisme aujourd'hui trouve son déplacement dans le multiculturalisme, qui va déboucher sur des clivages, sur de nouveaux clivages, d'un côté sur le clivage donc au niveau de la société elle-même multiculturelle et dont la forme politique sera l'Empire. Et de l'autre côté, un attachement à un certain type de cohésion, qui est la cohésion nationale, qu'il s'agit de repenser aujourd'hui en sortant de certaines oppositions républicaines, nationalistes, etc. C'est cette forme nationale, cette cohésion nationale qui est réclamée par le populisme. Hein. Le populisme, c'est justement comment dire, la détresse du peuple et son inquiétude par rapport à la décomposition de sa cohésion nationale. Et la forme politique qui va avec cette cohésion nationale, qui pour moi est la République. C'est-à-dire que pour moi, la République et la nation ne sont pas du tout à opposer. Et la conception, par exemple, si vous voulez, de la nation jacobine, c'est une conception de la nation civique qui est tout à fait, en fait, insuffisante. Il faut retravailler tout ça et voir que chez certains penseurs comme Rousseau lui-même, j'ai pensé beaucoup à Rousseau quand vous avez parlé de la nature et de la tradition, parce qu'on pourrait dire qu'à ce moment-là Rousseau est un homme de droite, il faudrait retravailler, si vous voulez, une conception de la nation qui n'est ni la nation purement civique, ni la nation réactive du nationalisme identitaire. Et je pense que c'est ces clivages-là qui sont aujourd'hui à travailler et qui sont devant nous, qui sont à la fois idéologiques et partisans, si vous voulez. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu long. Marco Tarqui. Oui, en synthèse, en sciences politiques, il y a depuis désormais 40 ans une théorie qui est acceptée plus ou moins
dans l'ensemble de la communauté scientifique internationale et qui remonte au travail d'un politologue norvégien, Stein Rokkan, et de ses élèves, qui rattache la formation des partis politiques dans l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest, parce que ce sont ceux-là les partis qu'il avait, les pays qu'il avait étudiés, à la formation de quatre clivages qui se sont succédés historiquement. Il appelle ça des fractures socioculturelles qui ont été mobilisées par des entrepreneurs politiques qui ont fourni des réponses différentes aux problèmes que ces fractures avaient identifiés. Donc, la première, c'est la fracture entre le centre et la périphérie des États nationaux qui se sont formés dans le temps. La deuxième, c'est l'opposition entre l'Église et l'État, toujours dans le cadre des États nationaux, en ce qui concerne la gestion de certaines fonctions fondamentales à partir de l'instruction, de l'éducation. Puis il y a la troisième et la quatrième fracture qui sont reliées au processus d'industrialisation, donc ce qu'on appelle la fracture entre la ville ou la cité et le milieu rural. Et la quatrième, c'est capital contre travail. Ce que dit la théorie de Rokkan, c'est que chaque fois qu'il y a une fracture socio-culturelle vraiment importante, les appartenances et donc les choix des citoyens, les choix politiques sont remis en cause. Donc c'est complètement évident que nous traversons depuis quelques temps, quelques décennies, une époque nouvelle. Rokkan est mort en 1980, donc il n'a pas pu poursuivre ses études, mais il y a plusieurs politologues qui ont essayé d'identifier de nouveaux clivages qui vont donc donner naissance à de nouvelles appartenances partisanes. Or, on a beaucoup discuté sur deux sujets. L'un, la naissance du clivage écologique, mais là, le problème qu'il y a eu pour reconnaître ce clivage en tant que tel, c'est qu'il n'y a eu qu'une naissance de famille politique d'un côté, mais pas de l'autre. C'est-à-dire, on a eu la naissance de partis écologistes verts, mais les autres partis ont réussi à neutraliser cette action, donc il n'y a pas eu de famille contraire, comme ça a été le cas dans les quatre fractures que je citais auparavant. Je n'ai pas cité les familles de partis, familles spirituelles de partis, comme dit Rokkan, qui sont nées de chacun de ces clivages, mais il les a toutes identifiées. Et depuis quelque temps, on parle justement du problème de la gestion des sociétés multiethniques, donc l'hypothèse multiculturelle, l'hypothèse monoculturelle, le problème de l'immigration, etc. Donc c'est tout à fait évident qu'au sein des électorats traditionnels qui se rattachaient à l'une ou à l'autre des fractures socioculturelles précédentes, il y a eu, disons, des évolutions. Donc ça explique que, pas uniquement le Front National, mais plusieurs partis populistes aujourd'hui sont les partis les plus votés au sein d'une population ouvrière, donc de couche populaire. Ça se passe par exemple en Autriche depuis longtemps, avec la FPE, ça se passe désormais en Italie du Nord avec la Ligue du Nord, en Suède même, en Norvège, etc., dans plusieurs parties. Donc c'est évident qu'il y a quand même empiriquement, disons au niveau politique, une réaction par rapport à la perception de l'existence d'un nouveau clivage. C'est un processus qui ne s'est pas encore terminé, donc dont on va mesurer l'évolution et les conséquences, mais je pense que c'est là, plutôt que, disons, dans le domaine de la théorie, qu'il faut effectivement vérifier s'il y a un réel dépassement du clivage droite-gauche dans les mentalités des gens. J'aurais aimé demander à Christophe Geffroy de nous parler un peu de la droite et de la gauche à l'intérieur du discours du pape François, mais ce sera pour d'autres fois. Dans le domaine de ces fractures socioculturelles qu'évoquait Marco Tarquini, il y en a évidemment une aujourd'hui qui crève les yeux. C'est la fracture entre ceux qui profitent de la mondialisation
et ceux qui sont victimes de la mondialisation. Oui, un mot très rapide, oui. En guise de conclusion, puisque je pense que c'est une des lignes de fracture de demain, elle se situe là, au niveau de la mondialisation. Ce qu'a dit d'ailleurs Vincent Coustédière, je trouve que c'était fort bien dit sur l'aspect multiculturel et impérialiste, je m'y retrouve tout à fait. Et je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord là-dessus, sur cet aspect vraiment fondamental de la redistribution des cartes par l'approche de la mondialisation. Il y en a un autre, comme il n'a pas du tout été abordé, je voulais juste le signaler très rapidement ce soir, c'est la question anthropologique. Je pense que la question anthropologique va être aussi un des éléments clés, ouais. Sur laquelle, à partir duquel comment dire, il y aura une recomposition des positionnements. Et d'ailleurs là-dessus, je vais faire plaisir à notre ami Paul-Marie, parce que je pense effectivement que derrière cette question anthropologique se profile ce qu'on peut appeler au sens vraiment le plus large du terme, la question de la loi naturelle, et de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui s'impose à nous, ou est-ce que l'homme est le maître, le maître de tout. Ça, c'est un énorme fondement au clivage. C'est un sujet passionnant, mais c'est un autre. Oui. C'est évidemment un autre débat. Le cœur, je reviens un instant à cette fracture socioculturelle de la mondialisation. Je crois que beaucoup de choses tournent autour, que ce soit l'immigration, le communautarisme, l'identité, le rôle de la mobilité des capitaux, des marchandises et des hommes. Il y a vraiment aujourd'hui une opposition fondamentale, à mon sens c'est un nouveau clivage, entre les victimes de la mondialisation et ceux qui profitent de la mondialisation, et il reste à s'interroger si ce phénomène de la mondialisation, ou de la globalisation, comme on dit plutôt en Italie, ne réunit pas lui aussi des caractéristiques de gauche et de droite, de gauche par ses aspirations disons sommairement mondialiste, et de droite par la technique profondément économique et capitaliste libéral qui en est le moyen le plus efficace. Je suis très frappé de voir que la mondialisation réalisée par la logique du capital s'est fait infiniment plus vite et a été infiniment plus profonde que tout ce qui relevait du brave internationalisme marxiste qui nous apparaît aujourd'hui comme relevant de la préhistoire. Voilà. Merci à tous, merci à chacun, et à notre prochaine émission, Les idées à l'endroit.